va y avoir du sport. 6-9 la matinale, matin sport. Sport. Compétition africaine, Amar Djibour, bonjour. Les filles font le job. Oui, elles l'ont fait. C'est le moins qu'on puisse dire. Elles l'ont fait et elles l'ont bien fait. Puisque c'était une double confrontation qui déroulait en Algérie. Elles ont acté leur qualification au match aller en s'imposant 5-1. Il y avait ce match retour, 1-0. C'est bien, après plus de 10 ans, notre équipe nationale féminine revient sur la scène continentale. Avant d'aller sur le foot féminin, on va écouter l'entraîneur Farid Benstiti à l'issue de cette qualification. Et pour moi, c'est plus important en effet de parler du retour de l'équipe nationale d'Algérie féminine sur une participation à la CAN, parce que c'est quand même ça l'événement et le principal, puisque ça fait, on en a parlé tout à l'heure, ça fait à peu près 10 ans. Hein. Si on parle de notre participation à cette CAN, je pense que les préliminaires, c'est quand même c'est assez rude, c'est très compliqué à gérer. C'est où on gagne, on passe ou on perd. Donc c'est compliqué pour une équipe nationale de gérer ces moments-là, et je pense que nos joueuses l'ont bien géré. Le deuxième temps, c'est la pré-compétition pour la CAN. Donc là, on va rentrer certainement sur un nombre de matchs amicaux, je l'espère, qui vont nous permettre de nous régler, efficaces pour préparer notre équipe, des rassemblements qui soient efficaces pour établir et enfoncer un peu plus notre projet sportif, notre projet de jeu. Troisième volet, qui est aussi très significatif pour moi, c'est de préparer aussi l'avenir après cette CAN 2024, donc l'intégration d'un petit peu plus de fraîcheur et puis peut-être de nouvelles joueuses qui viendront nous renforcer, bien entendu, et qui doivent être meilleures que celles qui sont déjà en place. Je pense que Farid Benstiti résume bien l'ambition aujourd'hui de l'équipe nationale féminine. Ce n'est plus de participer, d'aller à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'ambition, eh bien, c'est de perdurer au plus haut niveau dans un premier temps, au niveau continental. Ça, c'est pour l'équipe nationale. L'équipe nationale va sans doute, sans nul doute, constituer cette locomotive pour le football féminin. Le football féminin, il a le mérite, déjà, ça a le mérite d'exister. On le sait qu'il y a des traditions, c'est très compliqué dans nos sociétés pour que les filles aillent jouer au football. Tout de suite, elles seront traitées de garçons manqués. Non, c'est très très compliqué. Donc, faire exister le football féminin, ça s'est fait, c'est bien. Il y a un championnat qui existe. Malheureusement, ça n'a pas l'exposition. Ça prend du temps, ça prend du temps pour permettre une exposition médiatique du football féminin. Par exemple, hier, la fédération ou les organisateurs auraient dû réfléchir comment donner, comment faire pour attirer plus de monde. Jouer à 17h un lundi après-midi, c'est pas l'idée la plus géniale. On aurait dû jouer à 20h, inviter les collèges, inviter les filles ou garçons à mélanger un public mixte, à venir assister gratuitement à la rencontre, inviter des familles, prendre attache avec les lycées, prendre attache avec l'ISTS, pour qu'il y ait un maximum d'exposition de visibilité et que les filles se sentent encouragées. Ça, c'est très important. Deuxième, aujourd'hui, la Confédération africaine de football oblige les clubs engagés sur les compétitions africaines à avoir une équipe féminine. C'est bien, mais il ne suffit pas d'avoir l'équipe senior. Et on doit avoir sur les différentes tranches d'âge. Ça, il faut travailler là-dessus pour permettre justement au fil du temps d'installer définitivement dans les esprits, dans le paysage, le football féminin. Ça passera également par des résultats de notre équipe nationale. Ce qui est bien avec Farid Benstiti, je pense que c'est l'une des meilleures idées qu'a eu la fédération de faire appel à Farid Benstiti. Je ne sais pas si vous savez qui est Farid Benstiti. Farid Benstiti est connu et reconnu en France pour le travail qu'il a accompli dans deux grands clubs. Lyon, qui domine le football féminin au niveau européen, et le Paris Saint-Germain. Donc, de par sa stature, il est arrivé à convaincre nos joueuses à l'étranger, nées en France, de rejoindre l'équipe nationale. Et c'est vrai qu'elles ont moins d'exposition, quand vous savez, quand vous connaissez le développement du football féminin en Europe, aux États-Unis également. Elles viennent ici, en Algérie, elle s'installe en équipe nationale et, on l'espère, sur la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est le meilleur résultat possible, avec comme objectif d'aller chercher une qualification au Mondial. Ça prend du temps, une qualification au Mondial. Et le dernier Mondial nous a montré tout l'engouement qu'il y avait autour du football féminin. Avec beaucoup de qualités techniques, hein, faut pas l'oublier.
Voilà ce qu'on pourra dire sur cette équipe, mais on les suivra en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On va les suivre. On passe au sport co et au handball avec ce limogeage, décision de limoger le coach national. Ça fait des vagues. On en parle depuis vendredi. Pourquoi depuis vendredi? Vous n'avez pas remarqué que la Fédération algérienne de handball ne dit rien? Motus et bouge. Ne communique pas sur rien. Sur nada. Sujet. Pas un mot. Alors que tout le monde en a parlé. Ouais, il faut se poser des questions. Hein. D'accord? Alors la décision a été prise sur un différent. La question fondamentale, que veut-on faire de cette discipline qui est inscrite dans l'ADN, je le dis à chaque fois, de l'Algérien, qui nous a valu des satisfactions? Hier, pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré un des grands gardiens du hand national, en l'occurrence, Lehchmi, qui a fait des championnats du monde, considéré comme l'un des meilleurs. Lui-même s'étonne de cette décision concernant Salah Bouchklio. Elle intervient à un mois d'un mondial. C'est vraiment se saborder. Lui qui avait préparé l'équipe nationale, lui qui a emmené l'équipe nationale en Arabie Saoudite avec 2 victoires à la clé, qui a mis en place un programme de préparation. Voilà, pour des questions d'ego, pour des questions d'incompréhension, d'immixion sur le plan technique, on enlève Salah Bouchklio. On décide comme ça. Le fait du prince d'enlever Salah Bouchklio comme entraîneur national, je ne suis pas son avocat. Mais il y a des faits, et les faits sont têtus. Et de laisser un peu aller dans l'inconnu, on est à un mois et demi du mondial, du championnat d'Afrique des Nations. Mais pas tout le monde, avec surtout une pas qualification, les joueurs dans les meilleures dispositions. Ouais. Avec l'enjeu d'une qualification au championnat du monde. Dans le même temps, quand je regarde l'Égypte et la Tunisie, eh bien, eux, ils sont en train de travailler, de progresser, alors que nous étions, mais largement devant. C'est à se poser des questions. Et puis je terminerai. Vous allez me dire ce matin, mais ce n'est pas possible. On ne parle pas de terrain, on ne parle pas de résultats. La Coupe d'Afrique des Nations est un événement important. Il débutera au mois de janvier prochain. Ça, il s'agit de football, de notre équipe nationale. Puis comme ça, dans l'air du temps, il y a partout des interventions pour mettre une pression négative. C'est vrai, on cherche le résultat. Mais dans le même temps, il faut avoir le recul nécessaire. Le recul nécessaire, si vous êtes de mauvaise foi, vous n'allez pas vouloir regarder et voir avec la justesse voulue ce qui est en train de se faire. Vous avez une équipe qui est en reconstruction. Ça, on l'a dit. Ça prend du temps. Sortir de la phase de poule, je pense que c'est dans les cordes du 11 national. Mais après, vous allez sur des matchs à élimination directe. Après, vous allez enchaîner, après la Coupe d'Afrique des Nations, vous allez enchaîner sur le Mondial. Dire aujourd'hui que l'entraîneur national, si on n'allait pas jusqu'en demi-finale, doit quitter la barre technique, c'est simplement jouer avec le feu. Et vous risquez de vous brûler. Et à partir de là, l'idée, disons-le, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que tout le monde entoure cette équipe nationale pour qu'elle puisse aller comme en 2019. On n'était pas favori. Personne n'aurait misé un centime sur le résultat final. Pourquoi pas au moins atteindre les demi-finales. Mais on aura l'occasion d'y revenir sur le parcours du 11 national.